Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Litigame. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Alors aujourd'hui, on va partir pour une petite préparation d'une voiture de légende, hein, la Skyline. Voilà, hein, bien sûr, hein, y a pas, on va pas mettre de vinyle ou de je ne sais quoi, hein. On va quand même la laisser sobre, hein, normal, hein. C'est pas une voiture qui est vraiment fait pour s'amuser à mettre. Ça se trouve, il y en avait peut-être des types comme ça avec des. Je sais pas. Non, je pense pas. Eh ben alors. Alors, c'est la Skyline Hard Top 2000 GTR. L'année. 60, 1970. Ah oui, c'est vieux. C'est très très vieux. Je rêve d'avoir la Skyline de 2002 R34, hein, moi, celle-là que je rêve, mais j'ai vu celle-là passer dans les voitures de légende, je me suis dit, tiens, pourquoi se faire, pourquoi pas se faire l'ancien modèle aussi, tiens. Allez, c'est parti. Alors, on voit déjà dans le GT Auto, on voit juste si c'est possible, hein. On va pas lui mettre de kit large, on va juste voir ce que ça donne. Ah oui, non. Non. Ouh. Là. Il n'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a les jantes. Ouais, bah non, pareil à les jantes. À moins qu'on ait quelque chose de style ancien, mais. Je pense pas, hein. Ah, ça peut coller, celles-là, elles peuvent coller. Non, ah bah tiens, c'est celle-là qu'il y a dessus. Ok. Non. Ah. Ça peut passer. Ça peut passer. Là-dedans, ça m'étonnerait, à part peut-être celle-là. Et celle-là. Ouais. Là, non, non. Après, là, non, pas trop. Hors sujet. Non, on part trop hors sujet, mais il y a quelque chose que j'ai vu. Là. Et je me dis qu'avec une petite couleur comme ça, caramel ou. Ah, ça peut le faire, on va voir. On va voir. Taille, on va rester sur du 14. Ah, du 15 pouces, ça pourrait être pas mal. On a du 13. Ah, 15 pouces, je trouve ça pas mal. Ça, non. Déport, non. Pas de déport. Ah, attends, on va voir. C'est quoi ça? Ah, c'est les différentes vues. Ouais, non. Non, pas du tout. Ok. Là, on est pas mal. Alors, voilà, couleur de la peinture. Couleur réelle. Ok. Papailleté. Mat satin. Satin, ça. Paraît pas mal. Qu'est-ce qu'on a de. Ah non. Non. Ça me plaît pas. En semi-mat. À l'aluminium. Ah. Voilà. Ça me plaît bien pour cette voiture. Celui-là est pas mal, hein. Faut que je me décide par rapport aux jantes. Ouais, celui-là, il est pas mal, hein. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal, ça fait pas trop, voilà, voiture kéké ou quoi que ce soit.
Non, on veut quand même garder un style ancien, mais non, mais là, ça me paraît pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ouais, ça passe, ça. Mais, attends. Non, bah non. Un aileron. Ah non. 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 Peut pas mettre d'aileron. Même si ça pourrait nous aider pour l'aérodynamisme, mais bon là, non. Non, non. Pas d'aileron là-dessus. Oh, c'est quoi ça? Ampoule. Standard, jaune, jour, froid, super froid. D'origine, c'est parfait. Plaque. On peut supprimer carrément les plaques. Ah non, on peut pas supprimer à l'arrière. Mais bon, on va laisser en standard. Ah, il y a la grille avant. Pareil, on reste sur du standard. Maintenant, couleur de la peinture. Ah oui, mais ça aussi, c'est casse-cou. Pourquoi on peut pas mettre directement sa peinture? Non, il faut créer une livrée pour mettre la peinture. Je trouve ça. Je sais pas, c'est pas. C'était là-dedans qu'on avait acheté la note. Non. C'était dans l'aluminium. Ouais, ça je trouve ça bête, la couleur de la peinture, de pas pouvoir la mettre tout de suite, on est obligé de. Voilà, éditeur de livret, créer un concept. Et je ne trouve pas ça top. C'est d'un enfer juste pour changer une peinture, quoi. Tout peindre, couleur spéciale. C'est pas du tout ça, non, c'était aluminium. Voilà. Ah, ça passe, hein, je trouve. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ouais, non. Non. Genre, de toute façon. Ah ouais, le mettre bien comme il faut, exactement la même couleur. Ouais. Ah, nickel. Ça, c'est nickel. Ah, voilà. Oh là là, c'est chiant, il faut. Ouais, c'est un peu chiant. Bah ouais, au lieu de juste la peinture, non, il faut. Et là, je vais devoir même faire sauvegarder sous, sinon. Lui, appliquer ce concept. Non, c'est bon, je vais même faire sauvegarder sous. Non, c'est bon. Voilà, elle est pas mal là, comme ça. Ouais, franchement, elle a de la gueule. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est quand même la tester d'origine. Hein? Allez, toujours en piste. Et nous voilà en piste. Avec cette petite skyline. Wow, par contre, j'ai pas l'habitude des freins. Où il n'y a pas de freins là. Déjà que je galère avec les freins. Alors là. Ma foi, elle va plutôt bien tenir la route. Bon, après, on va pas à 200. Ah, quand même, elle atteint quand même une bonne vitesse là. Est-ce qu'on va pouvoir lui taper une petite pointe là? Allez, la cocotte. Je joue pas manuel. Hein. Pour le moment. 150. C'est pas mal. Ouh là là. C'est galère. Hein. Lui, le but c'est pas de finir le tour, hein, c'est juste tester un peu comment elle réagit sur la piste. Ah ouais, j'oublie qu'il faut que je freine mes 10 ans à l'avance.
Avec des bons freins en carbone, hein, ouais, que ce soit un peu plus efficace. Une petite cocotte. Montre-nous ce que c'est une Skyline. Non, non. C'est assez hard, hein. Bizarre de rouler avec le volant à droite. Et ben allez hop. Ça sera la fin pour ce petit test. Hein. Bon bien sûr c'est clair hein, que les stats de pilotage pour l'instant ça va pas être foufou hein, sur la chaîne. Ah, d'ici 2-3 mois je devrais être déjà un peu plus assidu sur la conduite. Et ben allez, on se retrouve au garage. Alors, nous voilà. Atelier de préparation. Est-ce qu'on va pouvoir transformer ce truc en monstre? Alors, bah déjà, des freins, ça c'est sûr et certain. Non. Pourquoi 4 roues motrices? Ah oui, non disponible, je suis en train de me dire. C'est une FR, donc une traction arrière. Propulsion, c'est ça? Si je dis pas de conneries. Et FF. Ouais, si, c'est ça. Alors, du coup, bah déjà ça, hop. Ça aussi. Ça aussi. Le filtre à air course. Passe de 160 à. Déjà, 180, on était à 160 chevaux de départ. Le silencieux course, on n'avait pas mieux. Tac, le petit refroidissement. le collecteur d'échappement, bien sûr. Les plaquettes. L'embrayage, lui, pourquoi pas. Le niveau de la lourdeur, elle fait quand même 1100 kg. Hein. On pourrait peut-être la descendre un peu, si on peut. Suspension entièrement personnalisable, lui, bien sûr. La manette d'équilibre de frein, non. On va la prendre quand même. Allez, hop. Transmission de course, ok. Sur ça, on est pas mal. Le vibroquin aussi. Turbo compresseur, je vais le prendre en moyen régime. Pour l'instant, je gère pas au régime le turbo. ça, c'est bon. C'est bon. La rigidité de la carrosserie, bien sûr. Ok, la liage. Non, on a 328 chevaux. Ah oui, on a doublé. En train de faire n'importe quoi avec cette voiture. Celui-là. Pour garantir la traction sortie du virage. Ça, pour moi, c'est important. ça non. Racheteur de puissance, je pense pas qu'un jour on en aura besoin. On les met quand même parce que c'est toujours utile quand on arrive dans les courses en ligne. Vu que c'est des trucs qu'on peut pas acheter directement, ça pareil, ça c'est des pièces comme ça en fait, on doit pouvoir les acheter directement depuis la feuille parce que quand t'es en ligne par exemple, ben faudrait que tu quittes la course pour. Voilà quoi. Alors réduction de poids, oui. Là on est passé à du 1012 kg. Moins d'une tonne, ça me paraît pas mal. On pourrait peut-être descendre encore un peu. Hein, je pense que ça serait pas dégueulasse qu'on descende un petit peu encore. Ouais, à 2, voilà, 900, on passe sous la barre des 1000 kg. Et on va lui prendre des. Ouais, les pneus, je sais pas du tout pour ces anciennes voitures, c'est quoi l'idéal. Oh.
Je vais prendre comme en habitude des de courts stands, mais ouais, sans que je sois sûr de mon délire. 662 pp points de puissance, ah oui, quand même. 358 chevaux. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ben, on va repartir sur le circuit. Bon, j'ai déjà fait un petit tour avec et franchement, agréablement surpris. Je voulais juste la rabaisser un peu. Tac. Du coup, là, on va mettre comme ça devrait être pas mal. Hop. Non, ça, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça c'est bon. Ah, je l'avais pas pris ça le régulateur de puissance. Ah non, ça c'est le truc de. Non, rien à voir, rien à voir. Ça me paraît pas mal comme ça en 240, ça sert à rien mettre plus. Même mettre moins. Alors, un peu plus de patates encore. Pas mal comme ça. 358 chevaux, 664 pp quand même la Skyline. Eh ben c'est parti! Let's go, on y va. Allez. Après on essayera quand même sa petite vitesse de pointe à cette petite Skyline. Non, elle est pas mal, franchement. On n'est pas trop kéké au niveau de la peinture et tout ça. Les jantes sont assez classe. Ah, elle est pas mal. Allez, regardez-moi ça, le fuse tout le monde là. Regardez-moi ça, les Skyline. Allez, les freins, c'est un bonheur, hein. Ah, les freins carbone là, sur cette petite Skyline, je vous le dis, c'est un bonheur. Faudrait pas me pousser les Skyline. Oh, regardez-moi ça. C'est une course avec des voitures du garage. C'est juste un petit tour, hein, pour la tester. Pour vous montrer ce qu'elle donne, la petite cocotte. Bien sûr, avec vous, elle donnera encore mieux, hein. Plus vous êtes mon pilote, mieux c'est, hein. C'est logique. C'est logique. Oula. Ah bah là, par contre, on a mal tenu la route, hein. Il n'y avait que des Skyline devant. Bon, après, ouais, après les autres, ils n'étaient pas tous préparés, les voitures. Et bien sûr, j'allais pas mettre des voitures récentes. Ah, si, franchement, elle est pas mal. Ah, je m'attendais pas à ça au niveau de la conduite. Je m'attendais à ce que ça continue à être un désastre comme quand elle était d'origine, mais force est de dire que je me suis trompé. Après, je sais pas si c'est réaliste par contre. Ça, je sais pas. Franchement, je suis assez surpris. Elle se manie bien. Tout à l'heure, je suis parti en cacahuète, mais ça, c'est encore des petits réglages, je pense, à faire. Après, voilà, il y a juste quelques petits réglages de la suspension. Voilà, je gère un peu après le reste. Je connais rien, rien encore. Ah bah, franchement, c'est de dire qu'elle est vraiment pas mal. Ah, elle tient bien la route. Ah, y a rien à dire. À la fin de la vidéo, je vous mettrai ce petit tour en replay. Avec les replays dynamiques là, hein, les jolis replays. Ce sera pour la fin de vidéo, hein, bien sûr. Pas obligé de regarder. Ouais, bah franchement, c'était pas mal, non? Non, franchement. Ouais. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Eh bah allez, on se retrouve tout de suite pour le test de ligne droite. C'est parti pour la dernière étape. Alors, on pourrait peut-être paramètres de la voiture. Tac. Du coup.
Ah mais jamais de la vie, elle atteint 300. Déjà, si elle atteint les 250 km/h, c'est déjà pas mal. Oh, tu me diras, y a moyen. Allez hop, on la règle sur 300. On verra bien. Pour une fois là, je peux jouer en manuel, hein, en ligne droite, ça devrait aller. J'espère. C'est parti. Déjà 250, hein. Et la cocotte, j'en reviens pas. Ah, c'est pas réaliste. Je pense pas, je sais pas. Vous dites-moi en commentaire, hein, les spécialistes de l'automobile. Et elle pousse, hein. 290, mais j'en reviens pas. Tout à l'heure, j'ai vu un test de la Clio V6, il peinait à aller à 300. Ah là oui, il y a une montée par contre, hein. Allez, 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 300, allez, 297. Allez, allez, cocotte, 297. 198. Et je vais atteindre les 300, je vais atteindre les 300. Je les veux, ces 300. Et regardez, même dans la montée, ça va, elle peine pas, hein, elle descend pas de beaucoup. Hein. C'est hallucinant. 4000 mètres d'altitude. Non, je sais pas ça. Ah ouais, pas mal. Hein. Allez. Allez, allez, allez. Là, la descente. Allez, c'est maintenant que tu peux le faire. Bon, ok, c'est en descente, hein, mais bon. D'ailleurs, il y aura un test, hein, de la Clio V6, car c'est une voiture vraiment que j'adorais déjà en étant tout jeune. Même si j'ai une petite préférence pour la phase 2, elle n'y est pas. Peut-être plus tard. On a fait 305. Eh ben, franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Est-ce que... Parce que elle a atteint 300, mais pas... Comment dire? Pas en ligne droite, pas sur du plat quoi, hein. C'était grâce à la descente. Est-ce que... Allez, soyons fous. Non mais je mets juste ça comme ça, hein. Bon, jamais de la vie ça atteint ça. Hein. Bah, un peu moins de pâte là, hein, du coup. Hein. Est-ce que c'est possible? Non, ça va pas être possible. Non, elle a encore moins de patates que tout à l'heure. En fin de compte, elle est encore moins puissante. Ah, c'est chelou ça. Du coup, elle a perdu en puissance. En lui rajoutant des kilomètres-heure, elle a perdu en puissance. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, bizarre. Bah c'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, du coup, ouais, 296 à peu près, 296 on a atteint. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, réaliste, je sais pas. J'ai un gros doute. Mais après, c'est peut-être faisable, hein, je sais pas. Hein. Sans swap moteur, bien sûr. Alors on va la laisser comme on l'avait mis à 300, était pas mal. Même si peut-être la baisser à 290. Ouais. Tac. 684 pp. Et ben voilà, bah c'était tout. Bah moi je vais vous laisser avec une ou deux petites photos de cette belle voiture, plus le petit replay. Et ben voilà. Et ben allez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Bye.
Thank you.